Des fois, je me demande dans quel putain de monde qu'on vit. Lors de la publication du blog Le Décrochage Scolaire, j'ai eu beaucoup de likes, puis beaucoup d'abonnés. Puis j'aimerais vous en remercier pour ça. Puis je veux aussi vous remercier pour les beaux commentaires positifs que j'ai eu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Fait que merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet assez problématique qui est en train d'envahir notre planète entière. La drogue. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a du monde qui a la mauvaise habitude de consommer. Dude, est-ce que tu as idée de quel genre d'impact ça pourrait te faire sur ta vie? Ça pourrait te mener à une dépression, à des problèmes de santé, les cellules du cerveau pourraient être endommagées, puis non seulement ça endommage ton mental, mais en plus ça endommage ton physique aussi. Fait qu'arrête, arrête de consommer. Parce que non seulement tu fais du mal, mais tu fais du mal aussi à ton entourage qui aime pas te voir dans cet état. Puis en plus ça coûte cher. Fait que pourquoi dépenser de l'argent pour de la merde illégale? Puis je ne comprends pas comment vous faites pour endurer cette forte odeur qui reste prise d'un point de nez, là, sérieusement, c'est dégueulasse. La drogue, on peut le sentir sur tes vêtements, on peut le sentir dans ta gueule. Puis c'est vraiment désagréable. Sérieux, arrête. Mieux vaut vivre longtemps que de la détruire en consommant de la merde. Là, je vois dans votre face qu'il y en a qui vont me dire « Ben, Mathieu, la drogue, ça nous aide à oublier nos problèmes, ça nous met dans notre but. » Puis ça nous fait calmer. Dans le fond, ça réagit comme un tranquillisant. Hey dude! Une tasse de tisane, ça calme ça aussi. Puis ça se crapera pas ta vie. Alors prends donc ça au lieu de prendre de la drogue. Si t'es pas capable, ben, il y a des lignes téléphoniques exprès pour ça. Ils peuvent t'aider à arrêter de consommer. Faites de quoi pour que ça arrête? Parce que j'ai connu du monde là qui n'ont jamais arrêté, puis là un jour ils sont morts d'une overdose. Fait que si tu veux pas te rendre jusque là, hachis. Il y en a certains qu'ils vont pas mourir de ça, mais je suis sûr qu'un jour si tu décides pas d'arrêter là, tu vas te retrouver avec des séquelles irréversibles. Prends les moyens pour arrêter. Anyway, ça c'était un court vlog sur la consommation de la drogue. Vous connaissez le refrain. Partagez, likez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook qui est dans la description. Puis la semaine prochaine, je vais vous faire un autre vlog pour je sais pas sur quel sujet encore. Mais ça va être autant le fun que celui-ci. Fait que je vous dis à bientôt. Ciao!